C'était un rendez-vous qu'ils ne pouvaient pas manquer. À 8h30 ce lundi 2 octobre, Max Roustan et Christophe Rivinck ont donné le premier coup de masse dans les halles de l'abbaye. Le maire d'Alès et son premier adjoint ont ainsi lancé officiellement le chantier de rénovation du marché couvert. Vous attendez le bruit avec moi. Voilà, travaux qui commencent pour 18 mois, de la rénovation complète de l'abbaye et des parkings, évidemment. Véritable poumon commercial alésien, les halles de l'abbaye vont être entièrement restructurées conformément aux engagements pris lors des états généraux du cœur de ville d'Alès. Écoutez, la rénovation va consister sur le tour qu'on est en train de faire aujourd'hui à des box où les gens pourront travailler à l'intérieur et à l'extérieur du marché l'après-midi, du fait que la rue devrait être animée en permanence. Donc tout ce côté-là, ce sera pour les permanents qui travailleront le matin dans le marché, l'après-midi à l'extérieur. Le milieu, évidemment, sera composé dans une exposition différente de celle-là, évidemment, avec une grande allée centrale, un coin de convivialité. La réouverture est prévue au premier semestre 2025.